Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre les intestins et le bas du dos, donc les lombaires. Très souvent, des gens viennent me voir au cabinet avec mal dans le bas du dos et il s'avère qu'en fait, le problème vient de leurs intestins qui ne sont pas en bonne santé. Il y a trois raisons pour lesquelles on peut avoir mal dans le bas du dos à cause de nos intestins. La première raison, c'est une raison tout simplement mécanique, c'est-à-dire que nos intestins vont s'attacher sur le bas du dos de manière plus ou moins directe. Donc ça, ce sont des liens anatomiques. Donc quand les intestins vont pas bien, ils vont faire un peu comme des muscles qui se nouent. Les intestins, ils vont se tendre, ils vont se durcir, ils vont faire des nœuds. Et donc, ils vont se rétracter et tirer sur nos vertèbres, ce qui va nous faire mal au dos. Mais il faut savoir que on sent beaucoup moins ce qui se passe dans notre ventre que dans notre dos. Donc le problème peut venir des intestins sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, on croit que le problème vient du dos. La deuxième chose qui lie les intestins et notre dos, c'est juste un phénomène de proximité. Quand les intestins vont pas bien, ça crée un phénomène d'inflammation qui peut se répandre autour des intestins et notamment sur nos vertèbres. Et donc, encore une fois, ça va nous faire mal au dos. Et le troisième lien, c'est un lien neurologique. C'est-à-dire que les nerfs qui vont donner des informations au cerveau sur ce qui se passe dans les intestins et les nerfs qui vont donner des informations au cerveau sur ce qui se passe dans le dos vont à un moment, au niveau de la moelle épinière, passer par les mêmes endroits et il peut se produire un bug qu'on appelle la facilitation médullaire qui fait que le cerveau va interpréter les problèmes d'intestin comme des problèmes de dos. Donc voilà pourquoi très souvent les maux de dos, et surtout du bas du dos, viennent de problèmes du système digestif. Donc une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans les séances d'ostéopathie, quand vous venez avec des problèmes de lombaire, je vais bien sûr travailler sur le dos directement, mais je vais aller travailler sur plein d'autres choses, et notamment sur le système digestif. Donc je vais voir si potentiellement le problème vient des intestins. Donc on a une action en ostéopathie aussi sur les intestins. Il faut aller relâcher toute cette zone pour faire que ça circule bien, qu'il n'y ait plus de déséquilibre. Et c'est vraiment une histoire de détente des organes. Et l'autre chose à faire, ça, c'est votre travail. C'est vous occuper de la santé de votre système digestif et de vos intestins. Et donc ça viendra, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt!